tous, comment allez-vous? Moi ça va super, on se retrouve pour l'épisode 2 de Assassin's Creed Valhalla. Donc en vidéo, comme je vous l'ai dit, on fera des vidéos, des lives dessus. Peut-être que je profiterai des lives pour faire des quêtes secondaires. Mais aujourd'hui, vidéo, on va continuer. Bon, je rappelle que notre personnage était un peu abasi, mais c'est pas grave. Faut qu'on aille là-haut. Du coup, on va y aller. Voilà, on avait tué tout le monde, c'est ce que je pensais. Alors, je vais regarder si ça avait fait. Si on n'aurait pas pu avoir quelques petits. Remontants niveau vie. Non. Peut-être pas. Là, ça se fouille. Non. Visiblement, non. Bah, on est parti, ils avaient des vidéos de 40 minutes environ, je pense. Pendant ce let's play, j'espère que en tout cas ça vous plaira tout autant. Pour ceux qui voudront suivre, il y aura des lives aussi encore, hein, comme je vous l'ai dit. Il y aura des lives, il y aura des vidéos. Je vais essayer de vous en poster une tous les 2 jours ou une tous les jours, à voir suivant comment j'avance dans le jeu et suivant le temps que j'ai. Voilà, telle fois que j'y joue. Je filmerai. Voilà. Allez, on va parler à Tu as notre ami raté quelque Sigurd. chose, Eivor. Le campement avancé de Kiotvé a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kiotvé aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kiotvé a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kiotvé périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Alors, il faut tuer. Ouais, il faut le tuer. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kiotvé. Bien dit, mon scald de guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kiotvé. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kiotvé s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas, mais Kiotvé me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kiotvé meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Ça fait plaisir, hein. En tout cas. Ce jeu est encore exceptionnel. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais je vais franchement un tout. Vous allez m'entendre le dire pendant pendant tout le let's play que ce jeu pour moi est exceptionnel. Il est magnifique.
Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne! Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kyotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi! Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Je demande à Angang! Ici! Contre le briseur de serment! Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups! Et tu couineras comme a couiné ta mère! Or, donne-moi la force! Tu as détruit ma vie! Je vais prendre la tienne! Oula! Bon. On aurait pu reprendre de la vie entre debout, deux. Eivor. Ah non, ah, je croyais qu'on mourrait. Ce n'est pas le jour de ta mort. Pourquoi refuses-tu de mourir? Nous ne sommes pas seuls, Kyotve. Le père de toutes choses nous regarde. Ma lame va voir ton sang. Mes loups vont te dévorer. Ok. Je vais t'arracher le cœur. Je vais peut-être un peu... Petite connerie. Bon, je vais donner un coup, les gars. Ok. Super. Elheim t'attend. Oula. Oula, mais pourquoi? Pourquoi ça veut pas donner des coups? Pourquoi il veut pas l'attaquer? Oula. On va pas galérer face à lui quand même. On va éviter de galérer. Odin il a dit on meurt pas aujourd'hui, alors on va écouter le maître Odin. Quand je vais esquiver, ce serait bien. Oh là! Oh, ce côté-là aurait été plus simple en fait, finalement. Ah ouais! Halt up! Une manœuvre sans honneur, ami des loups! Ouais. Tu es bien le fils de ton père. Voilà, bam. Aussi. Peut-être le finir à un moment donné aussi. Ça va, on n'aura pas gagné. Trop. On mort une fois.
debout, Eivor. Putain. Ça m'excite tellement à chaque fois. Éveille-toi. Ça me rend fou ce jeu. Ça me donnait envie de donner des jeux pendant des heures, donc vous étonnez pas si. Que veux-tu de moi ? Plusieurs épisodes en même temps, c'est normal, c'est que j'ai joué pendant pas mal d'heures. Tu as gagné ta récompense, ami Dello. La gloire de ma mort. Quoi, c'est tout ? Qu'est-ce qu'il fait ? Lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami Dello. La moisson de 3 générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non. Mon clan ne sera pas oublié. Wow. C'est beau. C'est beau. J'ai combattu ainsi. C'est fou, c'était avec tant quand même de vigueur. Pour survivre, parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm. Sa dette est payée. Ouvrez les portes, et vous serez épargnés. Crève, ami des loups. Archer, encochez. Corbeau, pas de pitié. Archer, tirez. Dressez les échelles, tas de molassons. Peut être détruite de l'intérieur, ok. Franchissez ce mur avec moi. L'ennemi envoie des flèches. Je vais vous montrer la double face de Draghi. Envers la gloire. Pontin te maudit. On est sûr qu'il aura sa peau. Bon. Merde, je sais pas ce que t'as. Appartient à Odin, Flash. À la faveur d'Odin, vous allez voir. Par le sang. Ok, faut qu'on aille débrouiller ça. Qu'est-ce qu'il veut, il est à l'intérieur. Odin est avec nous. Voilà. Putain, j'adore cette phrase. Odin est avec nous. Ce ne sera pas le cas. On va se concentrer. Là, faut l'attaquer, du coup, faut aller tuer son fils, du coup, parce qu'on va se taper son fils, là. Il est là. Ah. De près ou de... Dégage. Ugh!
Vire ? Oh, il est con. Ça m'énerve. C'en est fini de toi. Ça suffit. Ouais. Ensemble, d'accord. Oh. Attention à ces rivaux. Tu vas le payer cher. Bon. Quoi? Je comprends pas pourquoi j'arrivais pas à ouvrir la porte. À un moment donné, il faudrait peut-être que je l'ouvre. Faut peut-être ouvrir la porte à un moment donné. Je crois que j'ai pas recommencé depuis le début. Faut peut-être l'ouvrir la porte à un moment donné. Hein. Le gros malos. Déverrouiller la dernière porte, ok. Est-ce qu'on va la déverrouiller dedans? Je sais pas. C'est bon, il est fait, c'est bon. Non, il est là. Prends ce caillou dans le crâne. Je demande d'esquiver. Ah mais ok, il y a un autre gars. Ouais. Je comprends mieux pourquoi. Ouais, par contre, c'est en train de me saouler le bordel là. C'est en train de me saouler parce que je veux bien esquiver tout ça, mais si j'esquive pas, ça va le faire un buzz. Bien croire que je me remets au jeu, mais bon. Pas craquer non plus. Rodin est avec nous. On va refaire cette mission, super, mais on va en faire un arrière. On va essayer de voir si je peux pas fouiller les maisons pour avoir des. Ah, c'est pas fait comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas fait. Choisis la mort. Surveillez mes arrières. Oh.
fais gripper ton cadavre. Voilà. Enfin tu me... Pas trop tôt. Ça m'énerve parce que je sais pas, j'avais un peu assez d'argent pour pas acheter le carré de générer un peu. Parce que c'est un parti à cause de ça pour que. Je trouve qu'il y allait quoi. Ouais, c'est que je peux pas y aller comme ça, sinon. C'est un peu de monde. On a un peu de monde. Là, il y a trop de monde, c'est un truc de fou. Avec moi. On y est presque. Attends-toi. Putain, sa mère. C'est bon. Merde, je suis obligé de mourir. Mais attends frérot, à un moment donné, parce que j'ai pas un peu de... On va regarder si on peut pas fouiller un peu là-dedans. Hein. Là-dedans, ils ont pas de... Donc ils sont tous rentrés, c'est débile, et ils ont laissé deux gardes devant. C'est logique le jeu aussi. Ah, j'espère qu'il faut pas que je refasse cette putain de mission pour ouvrir la porte. Voilà, tant mieux. Désolé de galérer un peu. Tu vas nourrir les bêtes.
Tu vas regretter ça! Eivor! Fais ta paix! Je le temple! Bon. Je vais te faire t'épuiser, Nicky! La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Non, assez, assez. Pourquoi j'ai pris en feu? Peut-être sur le bâtiment était mieux. T'étais peut-être mieux. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par deux fois son père meurt aujourd'hui. Ok. On le tue pas? Non, quelle tristesse. Eivor, nous avons la victoire! Laisse partir ce lâche! Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné, mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Rigjafilk. Un louveteau sans crocs peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guttorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Thing d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père, avant qu'il parte au Thing de Harald. Bon, on va prendre du coup des ressources. Ce serait je sais, Sinib. Une autre fois. J'aimerais bien trouver des ressources. Notamment pour se régénérer un peu, dans la haute. C'est vrai que c'est ça qui nous a manqué un peu. Et puis même un peu flèche aussi parce qu'il nous a manqué des flèches aussi, hein, il nous a manqué pas mal de choses. Hein. Donc on va regarder les ressources. Pour la fin de cet épisode, on a gagné quoi du coup? Le mettre, hein, je pense. C'est quoi ici en fait? Ici c'est. Ouais. Ouais. Et là. Une quête où? À 1000. Ouais, faut sortir.
maintenant. Mais le caverne, ce que... Voilà. Donc on va comment dire, on va va ma fille, on va merde chercher une artère. Faut aller au bateau du coup pour partir, hein, c'est ça. Je ne vais qu'être pas loin, on va fouiller un peu partout. Alors là on n'a pas fouillé. Et après on va partir à se laisser déjà, hein. Ça fait déjà un petit moment qu'on... On est en vidéo. Attendez, se laisser déjà. C'est vrai que ça... Ça va vite. Bonheur. Ça ferait de bonheur. Pourquoi pas là ? Merde, quelle tristesse. Quelle tristesse. On peut rentrer là-dedans ? Merde, quelle tristesse. C'est bon, voilà. Ah non, quelle tristesse. Ça après. On va voir ce qu'il va faire après le corbeau. On a 50 mètres là, c'est pas trop. C'est sûr qu'il y a un truc là. C'est pas une boutique. Genre, on peut pas rentrer là-dedans. Non. Rentrez là. Attends, rentrez là-dedans. Non ? Bon, je comprends pas. Pareil, pour aller à la prochaine quête, je peux pas par où va falloir qu'on y aille. Hop. Hop, voilà. Je sais pas par où va falloir qu'on aille. Et là, on peut pas trouver un endroit où rentrer. Qu'est-ce qu'il y a à 152 mètres? On va regarder, on visite un peu avant la fin de cet épisode. On se retrouvera de toute façon très prochainement pour un nouvel épisode. Qu'il y a moyen de rentrer. Hein. Sûr qu'il y a moyen. Sûr qu'il y a moyen de rentrer là où on était. Faut juste trouver l'endroit. C'est là où là ? Putain.
trouver une monture dans pas longtemps. Et vite, parce que... Il faut monter. Il faut partir pour trouver une monture. Des montures, parce que si on n'a pas de cheval... On va sortir. Donc... Si j'ai un kilomètre et quelques à faire... Bon, écoutez les amis, on va se laisser là. On va se laisser là pour cet épisode. Je suis juste allé voir, juste en dernier si comment dire, si je peux pas rentrer dans la balle parce que certes, on devrait trouver un moyen de rentrer. Hein. Soit par le toit, soit par une fenêtre. Oh, je suis sûr qu'il y a un moyen, il y a quelque chose dedans. Donc, je suis sûr qu'il y a un moyen d'entrer. Il y a quelque chose dedans, donc c'est possible qu'on puisse pas rentrer maintenant. Là-haut, là, il n'y a pas une entrée là-haut. Sur le côté. Sens-tu qu'on puisse pas rentrer? Sens-tu? Là, ça me choque. Et là, à 184 mètres, on va voir ce qu'il y a. Et on va se laisser là. Et ça, on va falloir qu'on prenne le bateau pour aller à la prochaine quête. Et on le prendra la prochaine fois. À moins que je trouve ma monture. Avec un cheval, on ne serait pas contre un petit cheval. Hein. Chose ici. Bonjour. Hop. Hop. Des choses à fouiller. Et à côté, il y avait quelque chose peut-être. Je m'entroupille, ça sert à personne. Bon, ben on va se laisser là alors. Mais les amis, en tout cas, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. Très vite, on va se retrouver. Et à bientôt, tout le monde. Au revoir.